Ah, on est live! Ah, live en direct du studio 2, des studios de Unique FM 94.5. Voilà, c'est ça la grande annonce aujourd'hui. On est là pour présenter le fameux show de radio qu'on va faire. Ça fait tellement longtemps que j'achale tout le monde que je connais avec ce fameux show de radio-là. Et ce sera le samedi matin sur Unique FM 94.5. C'est disponible sur le FM à Ottawa, Gatineau, Rivière, le long de la rivière des Outaouais, ouais. Et aussi sur l'application mobile Unique FM 94.5. Et là, pourquoi qu'on est là aujourd'hui, ce soir, sur En Zone Neutre et sur toutes mes plateformes? Là, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur le Facebook d'En Zone Neutre, sur toutes mes plateformes. C'est que je vous présente mes co-animateurs et vous les voyez à l'écran, le petit ange, Vicky Dufour, et le petit démon, le petit diable, Nicolas Monette. Je vais vous laisser vous présenter Nicolas Monette qu'on entend déjà sur les ondes d'Unique FM 94.5 ici. Tu es producteur, tu fais tout finalement, ouais, cette communication. C'est ça, ma touche à tout. Tu sais, Michel Picard serait rien sans toi au retour. Je dirais pas ça, mais ben c'est ça, c'est ça. Donc je me présente, ben moi c'est Nicolas, vous me connaissez peut-être de Francofier jadis, page Facebook. Que c'est ça? Célèbre pour l'Ontario français. Premier YouTuber franco-ontarien, je pense. C'est moi qui porte le chapeau de ce cringe. C'est pas n'importe quoi. C'est ça. Fait que très haut de faire le show de radio. On va dire aussi, quel honneur d'être en zone neutre. Oui. Mon podcast numéro un. On regarde un peu la caméra, on fait des sourires. Voilà. Avant qu'on continue, on a Patrick Guillotte qui dit le légendaire Studio 2. Donc, c'est le studio où Patrick a peut-être déjà animé le bingo à Unique FM. Donc, je pense que c'est ça. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Vicky Dufour, Vicky, qui ne provient pas du monde de la radio. Explique-nous un peu comment qu'on se connaît, nous autres. On habite la même région. Oui. On s'est rencontrés journée d'élection municipale. Wow! Alors que le dépouillement était interminable. Oui. On a jasé, puis tout ça, puis c'est ça. Puis tu avais un podcast aussi, il faut le dire. Oui. Vicky à la ferme, si vous voulez en apprendre plus sur le milieu agricole. Fait que tu as voulu faire de la radio avec deux gars qui ont l'air des fermiers, clairement. Oui. Des fermiers de bas de classe, mais quand même. Des producteurs bovins. Il me semble que je vous vois dans le bovin. On se part une ferme, Nick. C'est ça. Vicky et Nick vont co-animer le show avec moi, qui va commencer on va être en onde à partir du 24 juin. Pourquoi Saint-Jean le 24 Baptiste. Juin? Ben ouais, pourquoi la Saint-Jean? Ben, la Saint-Jean, c'est la fête des francophones partout dans le monde. Yes. Donc, on fait un gros lancement avec ça. On va être en onde de 7h à 10h le samedi. Et on est un petit peu le show en prémisse du bingo, autrement dit. Donc, c'est on prépare le pre-game le bingo. Le bingo. Ouais. Tailgate party du bingo. L'émission d'avant-match du bingo.
Et bon, on va avoir des belles surprises pour vous autres tout au long de l'été. On va se promener, on va aller à la rencontre des gens, on va se promener, on va être un petit peu partout. On va commencer ça très fort parce que on commence avec des shows assez intéressants. Le 24 juin, la Saint-Jean. Mm-hmm. Après ça, le samedi d'ensuite, ben, c'est la fête du Canada. Ensuite de ça, on va se promener un petit peu partout. On va aller à la rencontre des auditeurs tout au long de l'été. Ouais. On va même être dans un camping. Oh. Suite de ça, on va être dans un camping pour le Noël du campeur. C'est donc, quoi le Père Noël? Ah, non, le Père Noël, c'est le Père Noël, Vicky. Il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Pas seulement des enfants, moi. Oui. J'ai mal. Faut-tu me dire que le lapin de Pâques aussi, c'est pas Simon. C'est pas moi, non. C'est pas toi. C'est pas moi, moi, je mange plus le chocolat que je distribue. Ça paraît quand même un peu. C'est le cringe de Pâques qui Donc, comme vous voyez, on a déjà une belle complicité. On est déjà un peu fou. On va être un petit peu fou en ondes. Le but, ça va être de vous accompagner le samedi matin. C'est le fun le samedi matin parce que bon, on est plus relax, tout ça. Donc, café à la main. Nous autres, on vous accompagne avec la meilleure musique francophone. Un petit peu de musique anglophone au travers de tout ça. Pas trop, parce qu'on va faire la promotion des artistes franco, franco-ontariens, franco-canadiens, québécois, tout ça. On va français, faire belges, français, même les Suisses. Même les Suisses. Même les petits écureuils, là. Eux ça. Donc, on va avoir un petit peu, on va avoir beaucoup de musique dans le show, c'est sûr. On va avoir des chroniqueurs, oui. Des chroniqueurs qui vont venir nous parler semaine après semaine. On va parler de sport, on va parler d'actualité, on va parler de météo. Ouh. Parce qu'il le faut. Il le faut. Et on va avoir aussi des entrevues avec qu'est-ce qui se passe dans le communautaire, un petit peu qu'est-ce qui se passe ici du côté franco-ontarien, Ottawa. On va être à l'émission du week-end dans la capitale nationale. Donc, on n'a pas peur de le dire. Et pourquoi ça s'appelle les maîtres du week-end? Parce qu'on ne se prend pas pour de la marde. On commence, nous autres, en s'auto-proclamant. C'est un joke qui nous devait là-dessus. Ah, c'est vrai. Il nous devait une joke. Ta règle de trois, t'es pas fort. Parce que... Des insights dans un podcast, toujours bon. Le monde ne comprend pas de quoi qu'on parle. Ah, il faut nous écouter le samedi. Faut que tout le monde se joigne dans le groupe Messenger. Ouais. Tout le monde qui a des photos de porc le matin. Non, ben, on va expliquer avant. Ah, ben, oui, ben, oui. Mais autrement dit, c'est ça. On va être présent, tout ça. On va avoir des chroniqueurs. Qu'est-ce qui se passe dans le communautaire un petit peu partout dans la capitale nationale, du côté ontarien, du côté d'Ottawa, du côté de l'Est ontarien aussi, mais aussi du côté québécois, parce qu'on va être dans des festivals du côté du Québec aussi pendant l'été, des festivals, des événements du côté de l'Ontario. Donc, on va être présent un peu partout, puis ça va être bien le fun de se promener en remote, comme on dit. Puis, le but, ça va être d'aller à la rencontre des gens, puis tout ça. Fait que ça va être bien le fun, je pense. Ça va être cool. Ça va être vraiment nice. Ouais. Nice, hein? Ouais. Nice. Là, pourquoi on parle de cochon, c'est que Vicky, oui. Vicky, elle n'est pas juste animatrice de radio, elle fait de l'insémination aussi. Attends, Vicky, c'est une inséminatrice. C'est une inséminatrice professionnelle. Vous pouvez la retrouver sur son LinkedIn. C'est ça son titre officiel. Effectivement. Je pense que Vicky, elle va beaucoup rire dans ce show-là. C'est bon, ça va meubler les vides. Ah, je vais être votre meilleur public. Mais non, mais on blague, mais pour vrai, vous avez une ferme porcine dans le coin de chez les villes, puis avec ton conjoint, vous faites l'accouplement, mais c'est pas juste ça, là, c'est plus que ça, mais parle-nous un petit peu. Là. Comment ça se passe, ça va? Oui, ça va. Oui, mais à partir de là, on fait de la radio aussi. Fait que ouais. Les samedis matins vont être assez occupés. D'ailleurs, par exemple, si vous êtes à l'écoute, prenez le temps de nous saluer ou on va vous saluer. Laissez-nous un petit commentaire. Même chose pour le show de radio le samedi. Le show, le but, c'est d'être présent, mais faire participer tout le monde. Mm-hmm. Donc, il va y avoir, bien sûr, on va partager le numéro de téléphone de la station. On veut que vous nous appeliez, savoir qu'est-ce que vous faites le samedi. Autre que ça aussi, on va mettre à la disposition la ligne de messagerie texte, mais aussi le messenger de Facebook Unique FM 94.5. Oui, le numéro, ouais, ça c'est pour un autre but. Là. On va essayer de le matcher. On va faire du dating radio. Ouais, on va faire du dating radio. Bref, le show devrait être assez, assez énergique parce qu'on a plein de bonnes idées, je pense. On a des idées. Ouais, c'est ça, les maîtres du week-end, mais nos idées sont
pas pire. On verra, on verra. Non, non, non. Mais c'est ça. Donc, on a plein d'idées, puis on va vous faire participer. Tu sais, on va faire des jeux en ondes, on va faire plein d'affaires. On va vous demander de participer. Ça se peut qu'on vous demande de vous promener autour de la capitale nationale pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Mm. Donc, à suivre. On a des idées de ce côté-là. Et étant donné que, bon, pendant l'été, Unique FM n'est pas juste la maison des maîtres du week-end, c'est aussi les diffuseurs officiels. Je suis bilingue, c'est ça qui est. Ben moi aussi. Donc, les diffuseurs Monsieur, officiels. Comme, moi, je parle les deux langues officielles. Wow! On va se promener, puis on va être un petit peu partout. Et Michael Lafleur, qui est descripteur des matchs des Titans d'Ottawa dans la Ligue Frontier, bien, on ne laissera pas tout seul au parc là-bas. On va aller voir de temps en temps. Puis c'est ça, on va se promener un petit peu pour de l'été. Le but, c'est d'être un peu partout dans la communauté. Tu sais, ça, je ne sais pas, ça se fait de moins en moins. Nous autres, on ramène ça. L'après-pandémie, on s'en va partager nos microbes avec vous autres. Oui, bonne idée, ça. C'est une bonne idée, moi, je trouve. T'es-tu pas mis de main? Oh, on va aller serrer des mains. Des petites moins moites, là. Les mêmes moites. Ouais, OK. Sur le fond. OK. On se moque de moi. C'est pas le mot moist. Moist. Ah, ça, c'est non. Il y a plein de monde qui nous écoute encore, donc c'est le fun. Écrivez-nous si vous êtes à l'écoute du podcast. C'est un podcast un peu particulier ce soir. C'est pas un podcast habituel de En Zone Neutre. C'est pas un épisode officiel de la saison, mais c'était une manière de lancer le projet parce que ça fait vraiment longtemps qu'on s'en va en onde à Unique FM. Puis Vicky était vraiment tannée de ne pas pouvoir le dire à personne. Ça a vraiment beaucoup testé ma patience de pas garder le secret. Tu sais, tu es capable de ne pas le dire à personne? Ben là. Mais je t'avais dit que tu pouvais le dire. Oui, mais... comme famille. Mais tu sais, je n'ai pas rien mis sur les réseaux sociaux. Non. Sauf là. C'est la story, la première story officielle de ça. Mais non, j'avais très hâte, parce que je suis vraiment du genre, j'achète un cadeau à quelqu'un, puis quasiment, c'est comme, juste le goût de dire, vite ou de donner. C'est quand c'est trop une bonne idée, ou trop une grosse affaire, là. Mais je suis quand même capable de garder les secrets. Mais là, je suis juste contente que c'est out there. Moi, je fais ça des fois aussi avec ma blonde, j'achète un cadeau, puis je suis comme, je l'emballe même pas, je le drop sur la table. Je t'ai acheté un cadeau. Ouais, mais ma fête, c'est dans deux semaines. Tu l'as pas emballé. Ben, ouais, c'est ça. T'as pas le temps de l'emballer. C'est juste ça. C'est ouais, pas... là, je suis un peu plus de pensée. Tu l'emballes quand même. Tu l'emballes pas. Ouais. Ça, je pense que c'est l'affaire de gueule de pas être bon pour emballer des cadeaux. Mais ça doit être ton love language, ça, par exemple. L'emballage, le cadeau. Gift giving. Ah, c'est vrai. Les cinq langages de l'amour. Ah ouais? Yes. Vous connaissez les affaires. Vous allez m'apprendre des affaires, vous autres. Là. Ouais. Je le sais, vous êtes de même. On fait des horoscopes en plus. Ah non. Oui, ta carte du ciel. Ça, c'est mon test pour voir si Vicky croyait là-dedans. Puis ma réponse. OK. C'est correct si vous croyez là-dedans. Oui, si vous croyez là-dedans, on respecte vos croyances. Puis c'est bien correct. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je suis balance, ascendant balance, puis c'est vrai. Comme poisson, que je suis indécise dans la vie, une vraie balance. Comment tu sais ton ascendant? Genre, moi, je suis poisson, mais. C'est l'heure de ta vie. Moins l'heure, l'emplacement. Non, je pense que c'est plus l'heure. Laisse faire, c'est juste mais l'heure. Après, mais après, comme selon l'heure, ton emplacement, ou là, c'est là qu'ils font ta carte. Par exemple, il y a plein d'affaires que je comprends pas. Genre, Fait que c'est juste ta lune, ton Mars, ton c'est juste cute. Là, ouais. Fait que toi, t'es balance, ascendant, balance. Oui. Fait que tu pourrais juste dire, moi, je suis balance. Moi, je m'en balance. Effectivement, je suis balance à 100%. Moi, je suis poisson. Okay. Poisson, ça sent comme si ton année de naissance, alors, comme pour le calendrier chinois, comme l'année du poisson. Ouais. Mais ça sonne mal dire que t'es poisson. C'est comme, tu sais, ça veut dire autre chose. En anglais, c'est quoi? C'est pas fish. C'est Pisces. Ah, ben oui. Pisces. C'est poisson. Désolé, je suis bien aussi. Oh! On vient d'apprendre quelque chose. Mes parents ont baisé dans le temps de Noël. Ah oui, c'est ça. Ben, il a fait 9 mois, chum. Tu l'as en septembre. Quelle date, en septembre? Le 14 septembre. OK, mon gars, c'est le 4 septembre. Je suis pas ton gars.
C'est prouvé. Ça, tu pourrais, non, tu pourrais pas, là, mais vous avez peut-être remarqué à l'écran qu'il y a beaucoup de roues dans le studio en ce moment. C'est le goût de mettre avec les cheveux. Non, fais pas ça. C'est jamais beau. Ben, quoi que. T'as-tu déjà vu un homme se teindre les cheveux roux? Non. Non, j'ai juste vu des roux calés. C'est juste ça, des roux, c'est fait pour être chaud. C'est quoi la première fois que tu m'as dit quand j'ai enlevé ma casquette pour la première fois qu'on s'est rencontrés? Je pensais que t'étais chaud. Je pensais à 100%. T'avais comme des Timothée Drops sur le bord, pas assumé. T'avais une belle couronne. Mais non, j'ai des cheveux, regardez. Ouais. Voilà, ils disparaissent tranquillement, mais il y en a, en reste encore. Pas pire, quand même. C'est bon. Aussi qu'on s'en aligne avec ça. Je sais pas. Une greffe de cheveux en Turquie. Ah non, on parlait des signes. Love ouais, language ça. Qu'on avait parlé. Love language, mais moi, je suis poisson, mais dans un de mes numéros, je disais, je sais pas trop, je disais que j'étais capricorne. Puis, tu sais, non, sagittaire, excusez. Sagittaire. Puis, je trouvais que ça sonnait mieux. Il n'y a pas d'ambiguïté. T'es sagittaire, ça, c'est clairement ton signe astrologique. C'est celui qui est... Oui. C'est ça, là, ouais. T'as fait. L'image, me dit l'homme cheval, mais je sais qu'il y a un vrai nom pour ça. Là. Ça comme... Non, mais l'homme cheval, c'est un centaure. C'est ça. Ça t'es pour dire un troubadour, mais je suis sagittaire ascendant centaure. Je sais pas si ça se peut. Mais le sagittaire, c'est pas ça l'image, me semble. D'un centaure. Écrivez-nous. C'est ça qui est le fun d'être live. Toi, t'as-tu les livres, genre à toilette? Ma maman, elle a ça. Les livres à toilette. Reader's Digest? Non, non, t'as des horoscopes à chaque jour pour toute l'année selon tes signes. Ouais. Après, à côté, t'as des sudoku puis des mots cachés. Ouais, mais ça, c'est typique de... Ça fait longtemps que c'est plus ça, là. Tu sais, t'amènes ton cellulaire à cette heure. Ben oui, oui. Ouais. T'amènes ton cellulaire à la salle de bain. Petite vidéo YouTube. T'as plus de vue, tu sais. Ouais. T'as plus de magazine. Non. Si vous, si vous avez des magazines, écrivez-nous, on veut savoir. Envoyez-nous une lettre par la poste. À partir de quelle année vous avez arrêté d'en acheter? Ouais, envoyez-nous un fax. Ouais. Oh, ouais, ces gens-là ont clairement un fax, mais... Ouais, mais je disais que j'étais sagittaire dans un numéro. Puis à un moment donné, ma mère était dans la foule. Ma mère a fait comme il n'est même pas sagittaire. Ouais. Je l'ai entendu. Ta mère fait ton heckler. Ouais, ma mère elle me hecklait. Genre, t'es pas sagittaire, t'es poisson. T'es même pas beau. Puis dans ses levées, elle a quitté. Elle était vraiment déçue. Mais Simon, t'es jumeau. T'es un jumeau. Oui, c'est un jumeau. T'as dit ça? Mais je te rappelle qu'on est sur... Ah, OK. Non, mais je vous rappelle qu'on est sur mes pages à moi puis que tout le monde sait que j'ai un jumeau. Non, mais... OK, il y a ça, mais moi... Surprise! La présentation... Moi, d'entrée de jeu, je commencerais « Bonjour, je suis Simon Laverne. J'ai un jumeau. » Ça se peut que je rencontre. Je trouve que c'est très important comme bribe d'information. D'être jumeau? Non, mais c'est... Tu sens pas ça un an dans une relation amicale. Et by the way, j'ai un frère jumeau. Tu fais quoi? C'est une grosse nouvelle. Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent que le monde me prenne pour mon frère ou vice-versa. Parce que vous êtes identique, right? On n'est pas identique. Non? Non, on se ressemble c'est beaucoup, mais on n'est pas... ouais, c'est ça l'autre terme? Ouais, je pense que oui. On n'était pas dans la même enveloppe. Okay. C'est ça. Ben. Ah. Dans la même poche. Dans la même poche. C'est pas dans la même poche. Mm. Avez-vous des frères et sœurs, ça? J'ai une sœur. T'as une sœur? Oui. S'appelle? Zoé. C'est le fun que bonjour, tu donnes pas beaucoup d'informations. Ben, elle séquestrée Zoé. C'est une sœur, elle vit au Nouveau-Brunswick. Oui, parce que... Elle est enseignante à Pocketville. Shout-out à Edith Butler. Pocketville. Tu viens de là-bas. Right? Non. Non, elle vient du nord d'Ontario. Genre. C'est compliqué. J'ai envie de dire. Tu disais que ça allait en Acadie, je pensais que tu allais voir ta famille. Genre, oui, ma famille habite en Acadie. Ah, c'est une longue histoire d'arthrite. Okay. Ils ont moins d'arthrite en Acadie. Ils sont comme, mes doigts ne enflent plus. On y déménage. Sérieux? Oui, malheureusement, c'est la réalité de la chose. Pour vrai, hein? Oui. C'est un peu triste. Ouais. Puis drôle. C'est ça, mais toute ma famille, mon père, il vient du Témiscamingue, ma mère vient du sud de l'Ontario. Fait que c'est ça. Là, ils sont en Acadie. Là, ils sont rendus à Halifax. Ils se sont clairement pas rencontrés par hasard, là. Ils se sont rencontrés au White Oaks, à Témiscamingue, si vous êtes des gens de la ville de Pâte et Papier de Témiscamingue. Vous connaissez White Oaks. C'était ça. Puis ils se sont rencontrés là au bar. Au bar. Oh! Au bar. Ouh. Ils ont consommé le premier soir. Non, ma soeur était là avant. Ah, OK. Ouais. Okay. À Noël. Mais où le verglas? Tu sais, on dit non. OK, je suis né à North Bay. Mes parents vivaient à Témiscamingue. Ma mère ne faisait pas confiance au système de santé à Témiscamingue parce que c'est un petit hôpital. Fait qu'elle dit, hell no, j'accouche pas là. Fait qu'ils ont fait une heure de drive pour aller accoucher à North Bay. Pour vrai? Fait que là, je suis né à North Bay. L'hôpital a été démoli pas longtemps après.
Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui était mieux. Là, peut-être nécessairement, il roule encore. Peut-être qu'on aurait des meilleurs services. Qui sait? Ensuite, on a déménagé dans le sud de l'Ontario, à Hamilton, parce que ma mère a eu une job en éducation, mon père aussi. Puis là, après, on a déménagé à Rockland. Ensuite, on a déménagé à Cornwall. Oui, j'ai vécu à Cornwall pendant 3 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Bourgette. Je suis à Alexandria. Après, je suis allé à Ottawa. Puis après, la COVID a frappé. Mes parents étaient déjà en Acadie. Fait que j'allais vivre avec eux autres à Shediac. Après, on a déménagé à Moncton. Après, de là, j'ai redémangé à Ottawa. Cette émission est commanditée par le clan Panton. Ensuite, j'ai déménagé à la ville de Québec. Québec, hein? Québec. Après, je suis revenu. Pardon. Wow! Voilà le résumé de ma vie. OK. Ben, des frais de déménagement. J'ai déménagé moins souvent que ça. Définitivement. Ouais. Mais toi, Vicky, tu viens d'où? Maman. Maman Vicky. Vicky, c'est la maman de. Ça va être la maman de l'émission. Hey, je viens de. On a Marie-Ève Bilodeau qui dit mon ami, ça doit être toi qui parle. Coucou Marie-Ève. On salue. D'ailleurs, on salue tout le monde qui nous écoute. Il y a encore plein de monde qui nous écoute, mais commentez, faites des salutations. Mais non, je viens de la magnifique place dans les Laurentides, Saint-Jérôme. Oh! 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 Bon, cégep à Saint-Jérôme. C'est la fin de En zone neutre, c'était un plaisir. C'était terminé. C'est terminé. Mais en fait, je suis née à Saint-Antoine, tu sais, avant que la fusion se fasse. Donc, je ne suis pas une vraie jérômienne. L'autre bord du IGA. Le métro. Ouais, le métro, c'est ça. Puis, dans le fond, on a déménagé de Saint-Antoine à Saint-Antoine. Saint-Antoine-Est à Saint-Antoine-Ouest. Non, je vais déménager aussi à Sainte-Sophie. Saint-Sauveur. Oui. Parce que là-bas, moi, vu que j'ai été au cégep à Saint-Jérôme, c'est Saint-Sauveur, c'est Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est Sainte-Sophie. Ouais. Puis, ma mère a déjà aussi habité à Grand Remous. Que j'ai déjà été là-bas. Je travaillais comme longtemps au réservoir Basket-Homme. Oui. Je travaillais là vraiment longtemps. Puis après, j'ai déménagé à Gatineau pour les études. J'étais à la cité collégiale après avoir été ici. Non, je vais être à la cité. Moi, j'ai une éducation universitaire. Oh, excusez-moi. Mais... oui, monsieur. On commence à avoir hâte que ça paraisse. Puis je sais ça. Puis bien là, maintenant, j'habite de la petite nation en Outaouais. Mon amour ici. Donc, qui prend Marie prend pays? En amour avec un Lavergne. Un Lavergne. Yes. Lavergne represent. Il y a beaucoup de Lavergne. Ça va, Nick? Tout va. Tu as des problèmes techniques pendant qu'on est en ligne? Je travaille. Parce qu'il y a du monde. Je pensais qu'on avait déjà donné son numéro de téléphone, puis il recevait déjà. Ah, c'est possible, ça. Mais c'est Marie-Ève Bilodeau qui me texte. Bonjour. Est-ce qu'elle est célibataire, Marie-Ève Bilodeau? Elle n'est pas célibataire. Ça m'en a jamais empêché une, ça. Boum. Bon, on est dans le studio 2, qu'on a dit. Il y a une émission en ce moment qui est en direct, qui est bar. Dans le vestiaire. C'est à tous les jours. Et vois-tu des reflets? Peut-être qu'il y a des reflets qu'ils voient. Non. Non. C'est dommage. On va placer pour voir ça. De toute façon, les gars vont sortir du studio pour les voir tantôt. Mm-hmm. Mais, ouais, c'est ça. Puis, l'autre côté de la fenêtre, c'est le studio. Le studio 1, où est-ce qu'on principal. Sera? On sera en ondes les samedis. Ouais, on va dans le studio, dans le gros studio. Parce qu'on ne se prend pas pour. On se prend pas pour de la marde. Ben oui. Voilà. Mais on va être souvent pas dans le studio. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent aussi, à l'extérieur. Ouais. Donc, puis là, quand je dis à l'extérieur, c'est pas dans le stationnement de la station. Oh non, moi, je pensais que c'est là qu'on le faisait, le show. Ah, mais je pense que c'est une bonne affaire. Là. Il y a beaucoup de monde qui se sont connectés, là, qui n'étaient pas connectés. Donc, c'est une bonne chose à rappeler. On sera en onde au 94.5 Unique FM. Ceux qui se demandent c'est quoi comme station de radio, ben c'est une radio FM qui a commencé communautaire. Qui est communautaire commercial, c'est le diffuseur francophone des Sénateurs d'Ottawa. Oui. Donc, les matchs sont diffusés ici sur nos ondes, diffuseur officiel des Titans d'Ottawa. Également. Il y a des émissions qui sont reconnues ici, comme Le retour avec Michel Picard. Michel Picard, qui était à la tête du Ce Soir, chef de pupitre du Ce Soir Gatineau-Ottawa, qui s'est promené partout à Radio-Canada, un petit peu partout, tout ça. Là, il est à Unique depuis quoi, 8 ans, Michel? Oui, quelque chose en même, 8-9 ans. Il anime le retour à la maison. C'est un homme de grande culture et un homme tellement gentil, un mentor assez exceptionnel pour tout le monde.
Et ben, c'est ça, Unique FM, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, ouais. Des émissions la fin de semaine un peu partout. Nicolas, le bingo avec le bingo. Nicolas Monette. Comment tu peux passer à côté de ça? On a un show dédié à pre-game le bingo, Simon. Ben, oui, je sais. Je ne peux pas dénigrer mon bingo de même. Ça va être fou. Ouais. Ça va être fou. Ouais, on pourrait faire de quoi pour le bingo? On va faire le bingo en on va faire l'émission en prolongation. Commencer le bingo avec Nicolas tous les samedis. Quelque chose comme l'after ça. Genre, show du bingo. Un crossover. Ouais. Ah, on fera une couple de samedis où est-ce qu'on va rester pendant le bingo, puis on va faire un after bingo. Juste basquer dans le silence du boulier. B12. B12. T'es bon, par exemple. Bon, et moi, là, mes lettres et mes numéros, je suis à 75, j'ai maîtrise. En français comme en anglais. En français comme en anglais. Ouais. Mais la particularité du bingo, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le bingo radio, le bingo télécommunautaire, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui se vendent dans les résidences pour personnes âgées, oui. Dont Chartwell, qui est une des grosses résidences. Ouais. Et ben, les gagnants-gagnantes viennent souvent de Chartwell. De Chartwell, tu sais. Fait que, y a des noms qu'on voit repasser. Ah, ouais. Parce que moi, j'ai commencé à jouer au bingo. Là, ben, pas moi, mais ma blonde. Puis, bon, bon. Non, ben, tu sais, on poinçonne. On poinçonne. Ouais. On poinçonne à la maison les samedis matin. Puis, ben, c'est ça. On reconnaît des noms qui gagnent. Ouais. Donc, ouais. J'ai mes personnes qui sont sur ma blacklist. Ils gagnent trop. Ils gagnent trop. Mais sérieux, des fois, il y a des madames qui gagnent pour 6 semaines consécutives. Pour vrai. Ils ne vont pas gagner gros d'eau. Ils sont comme, ben, je suis du premier madame, vous venez de gagner 1 500$ en 3 semaines. Oh, c'est correct. C'est correct. C'est parce que c'est dans leur budget. C'est ça. Ouais. Retour sur investissement. Ouais, c'est important, ça. Ouais. Oui. C'est libre d'impôt, mesdames et messieurs. On vous invite. Oh, je vais m'y mettre. Tu devrais. Mais oui. C'est ça qui est le fun. En faisant le train le matin. C'est le train. Ouais. Des plans que tu poinçonnes les cochons puis ouais. Que ta carte elle soit cochonnée pas plus. J'aime ça. Ben, si vous êtes à l'écoute, continuez, écrivez-nous. Faites comme Marie-Ève Bilodeau qui dit mon ami. qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans ce show-là? J'étudie. Des chroniqueurs. J'en ai parlé. Ouais, plusieurs chroniqueurs intéressants. Des chroniqueurs intéressants. On va essayer de parler de choses qui vous intéressent. Par exemple, on va avoir un chroniqueur qui vient de, ben, qui a sa propre microbrasserie. Donc, il va nous parler un petit peu des produits qu'on peut retrouver un petit peu partout en Outaouais, puis dans l'Est ontarien, un petit peu partout. On fait-tu des dégustations? On pourrait. On va y tac des têtes. Pourrait. Ben, moi, je ne vois pas de bière, par exemple. Faudrait plus quelqu'un qui fait du vin. Ben, moi, madame, je fais de la bière. Recherche... Non, mais comme. On cherche un chroniqueur en vin. Pinot, un petit pinot. Si vous... On recherche quelqu'un qui a une microbrasserie de vin. Microbrasserie de vin. Y a quelqu'un qui a un vignoble? Un vignoble. Dans le coin. On recherche quelqu'un qui a un vignoble. Oui. Mais bref, on a plusieurs chroniqueurs qu'on va vous présenter dans les premières émissions, tout ça. Ça risque d'être bien intéressant. On va parler des choses qui vous intéressent. C'est sûr, on va parler de sport parce que, bon, tout au long de l'été, ça va être un peu moins occupé, là, mais quand on va rentrer en onde, la Coupe Stanley va déjà avoir été gagnée par quelqu'un d'autre que les Maple Leafs. C'est une mauvaise réponse. Parce que... Nicolas, qui est un fan des Maple Leafs, ben, oui. Et que j'ai quand même pris comme co-animateur. Oh, wow. On peut garder un moment de silence. Ça fait de la bonne radio, ça. Mais c'est un podcast. Mais ça, c'est une affaire. Là, on est en podcast. L'émission de radio va être un petit peu plus structurée que ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Là, t'sais, bon, on va être en train d'arrocher les morceaux de tape sur la table. Mais ça, c'est Alain Sancartier. Oui. Je ne sais pas si Alain est à l'écoute parce qu'on est amis Facebook, peut-être qu'il est là. Alain, il faut arrêter de mettre du papier collant sur le bureau. Ouais, à cause du col, c'est fait pour les sénateurs ici. Ouais. Moi, je suis correct. Je suis quelqu'un de tactile dans la vie. TDA, peut-être? Non. Je sais juste pas quoi faire avec mes mains. J'aimerais ça que tu y amènes des casse-têtes le samedi matin. au milieu d'une chronique. T'as-tu vu le coin? On va l'occuper. On va l'occuper un petit peu. Mais Nick, on va dire un peu, tu vas opérer la console pendant l'émission. Oui. Donc, lui, il vient de mettre son chandail à l'envers, comme un zouave. C'est beau, ça. Ça, c'est notre chroniqueur sportif, ça, qui met son chandail à l'envers.
Michael Lafleur, descripteur des matchs des Titans de Titans d'Ottawa, on va le redire, tu sais, parce que je pense que c'est important. Oui. Mais non, Nick, tu vas être à la console. Oui. Nick, il va y avoir aussi, vous autres aussi, comme co-animateur, vous allez avoir des chroniques sur le show. Donc, tu sais, une semaine après semaine, vous allez arriver avec un sujet, on va en jaser, ça va être bien le fun. Nick, je t'ai moi-même demandé ouais. une chronique particulière, donc tu vas nous présenter une chanson à chaque semaine. Avec, bon, d'où ça vient, qui la chante, tout ça. Fait que ouais. Ça va être intéressant. On va avoir bien du off-and-back. C'est Michael Lafleur. S'il vous plaît, varier. Hein, OK, on peut faire Breen Leboeuf, on peut faire Jerry Boulet, on peut faire Martin Deschamps qui fait des reprises. Bon, là, Nick, il niaise, mais ce que j'ai demandé, c'est de nous faire découvrir des artistes franco-ontariens, franco-canadiens. Fait que ça va être... Mais la musique va être très variée pendant le show. T'sais. On va avoir vraiment... On a tous nos goûts, nous autres, musicaux, puis on va tout mettre un peu la main à la pâte pour la programmation musicale, mais on va avoir un show quand même assez varié. Beaucoup de musique franco, c'est sûr. Mais on va prendre vos demandes spéciales aussi. On va vous demander de nous appeler s'il y a des chansons qui vous font triper dans le moment, puis tout ça. Mais on va vous les faire jouer en nombre, mais on n'a pas de limite. Je dis ça, mais il y a quand même peut-être des limites. C'est un show 100% musical. 100%, ouais, il va juste avoir des tunes. Les maîtres du week-end, c'est juste une playlist de trois heures. C'est avec un voice chat. Vous écoutez les maîtres du week-end. Allô! C'est juste ça. J'ai fait une pub pour cette semaine. Pour l'Expo Clarence Rockland. Hey, venez nous voir, de Rockland. Simon va être là. Ouais, non, mais vas-y. Moi aussi. Fais une vraie pub. Là. Donc, ce samedi... À l'Arena, CIH. C'est à l'Arena? C'est là que ça se passe? Me semble. C'est le fun, on a trois jours d'y aller. À confirmer. Me semble c'est à l'Arena CIH à Rockland. Il y a l'Expo Clarence Rockland. Je pense qu'il y a juste bien de monde dans les kiosques qui vendent des choses et qui se présentent. Dont une café, mais on va être là, mais on va faire un bingo en live. Ouais. Fait que c'est ça. Oh, wow. Mais c'est pas moi qui l'anime. Non, ça va être animé par, si j'ai bien compris, notre directrice générale. Directrice générale. Qui est du coin de là-bas, le Rockland, tout ça, qui est connu dans la communauté là-bas. Uh-huh. Mais c'est elle qui va animer. Puis nous autres, on va être présents à faire l'animation sur place. Je pense, Vicky, tu ne seras pas là, mais. Je pense qu'elle vient d'apprendre. Pour les maîtres du week-end, c'est pour la station. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on t'avait oublié. On se sent juste un peu mal. C'est quoi, Vicky, on veut pas que tu représentes une équipe. On te l'a pas dit, mais c'est temps de déchirer le pansement. En fait, on sait que tu es occupé avec les cochons samedi matin. C'est vrai. Donc, c'est pour ça. Mais on va être là, Rockland, on va être là samedi puis dimanche. Mais nous autres, on va être là. Non, moi, je suis pas là dimanche. Mais toi et moi, on est là samedi avec Marie. Oui. Notre journaliste. Ça me porte à dire Marie à l'information. Marie à l'information. Par réflexe de radio. Marie qui fait des super bons reportages. Oui. Si vous ne connaissez pas non plus nos plateformes comme Facebook, puis notre site Internet, Instagram, tout ça, notre site Internet uniquefm.ca, allez faire un tour. Il y a des super... nos entrevues sont tous là. Oui. Les entrevues de Michel Picard, les entrevues des émissions. C'est bien, Caron le matin, dans le vestiaire, c'est en podcast. Ouais. Des fois, il y a des extraits d'entrevues qui sont mis sur le site web. Puis des reportages, comment on dit ça, originaux, faits par Marie et toi. Tu vois, sur la route, Nick, tu as déjà commencé à te promener, mais faites des reportages avec un soutien vidéo et tout ça. Fait que c'est bien intéressant. Allez voir ça sur nos plateformes, c'est cool. Unique FM, c'est bien diversifié, c'est ça qui est le fun. Il y a des émissions pour tous les goûts. Que vous aimiez la musique classique, vous pouvez écouter l'émission de chez Gauthier le dimanche de 8h à midi. Si vous aimez le country, c'est Robert Guindon le vendredi de 10h à minuit. De 10 à 2. Robert, il arrive à 6h le matin ouais. ou 6h30 le matin le vendredi, puis il est en onde à 10h. Pepsi. Ah, il est fort, Robert. Mais vous aimez le country, surtout franco, là, puis ça, puis que vous avez des demandes spéciales, écoutez. Puis Robert, c'est un vrai de vrai monsieur country. Ouais. Ça me fait penser quand j'allais comme en vacances chez mes grands-parents. T'as comme la radio communautaire, t'as comme l'Abitibi, puis t'as comme ce charmant monsieur-là. T'es comme, ça, c'est un peu pire charmant de country, c'est notre Robert. Ça. C'est beau, on aurait closé le show. Merci, c'est tout. C'est des belles paroles. Je sais pas si Robert y écoute, mais je pense pas que Robert a Facebook. On a un lecteur CD, dans le studio, c'est pour Robert. Oui. C'est pour Robert. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup d'émissions très variées. Tu sais, il y a des podcasts aussi qui sont disponibles sur notre site, mais qui sont en onde, comme La Brigade, qui parle des sénateurs.
le WhatsApp podcast de Steven Bilodeau. Steven qui fait des chroniques aussi. Qui est parti se faire une greffe de cheveux au Mexique. Oui, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Vrai? Oui. C'est vrai. Il était là, puis moi, vu que j'ai un problème de calvitie, j'ai posé des questions. Ma première affaire, c'est, t'as pas été en Turquie, puis il a fait, non, ils en font au Mexique, puis t'as comme, c'est moins loin. Tu viens de m'ouvrir la porte. Tu peux payer en pesos. En pesos. Plus, tu peux aller à Resort en même temps. Ça. Ouais, à Cancun. Ouais. Lui, il était à Cancun? Aucune idée. J'ai pas été loin de même. C'est sur un vrai resort, hein? Peut-être qu'il faut pas en tout. Ben, je pense pas qu'il fait une greffe de cheveux au resort, là, non, entre deux buffets. Tout inclus, c'est vraiment tout inclus. Ah, c'est bon. Hey, on a plein d'amis à toi, Vicky, qui nous écoute. Roxane Turmel, qui dit mon ami d'amour. À moins que ce soit à moi qu'elle parle. Mais, j'ai un doute. C'est bien ça. C'est bien que c'est des nouveaux auditeurs pour nous autres. Mm-hmm. Pour moi, en fait. C'est ma gang d'Agrimon, ça. Pour vrai? Oui, c'est des filles issues de la communauté. Mais on peut en parler parce que ton podcast, c'était ça aussi, c'est de rencontrer des agriculteurs, des femmes d'agriculteurs, la vie sur une ferme. Ouais, c'est un ça petit que, j'allais là-bas, pour leur ferme, puis... En fond, j'en fais toujours aussi. Là. C'est terminé. Je fais de la radio maintenant. J'en fais toujours. Mais effectivement, comme Marie avait son épisode, j'étais chez elle. Puis là, dans le fond, je pose des questions par rapport à leur réalité. Puis j'essaie de voir aussi plein dans plein de productions différentes. Parce que des fois, on peut avoir des jugements ou des idées préconçues sur certaines productions. Fait que même à l'intérieur du milieu, dans le fond. C'est le fun de savoir, OK, bien, ça se passe comme ça. Puis j'avais ça en tête, mais dans le fond, c'est pas passé tout ça. C'est comme vraiment le fun de l'apprendre. Puis aussi, bien, que les gens qui ne connaissent absolument rien sur comment ton poulet arrive à l'épicerie, ton lait, whatever, bien, il y a le chemin là à vivre. Là, mais avec les histoires humaines derrière, parce qu'il y a des gens en arrière de ça. C'est pas comme l'amour est dans le pré tout le temps. Tu sais. Effectivement. Pas tout le temps comme ça. Salut, Mickaël Lafleur, on vous le présente. Mickaël Lafleur, Jonathan. Dans le vestiaire, animateur des Titans d'Ottawa. Bon, c'est tout ici. Hey, du haut de ses 5 pieds 10. Sylvain. 5 pieds 10. Sylvain, non. 5 pieds 11. On va donner 6 pieds. Donc, voilà. Sylvain Caron. Sylvain Caron, salut. Hey, salut Sylvain. Salut, cool de vous voir en direct. Ben oui, tu reconnais. Le légendaire Studio 2, ben oui, Patrick. OK, là, on ne va pas repasser toute l'émission parce que c'est arrivé. Ah, les jeunes animateurs. Non, regarde ça. Il ne faut pas trop montrer ma calvitie. Salut, là, bye. Vous reviendrez, on n'est pas sorteux. J'allais dire quelque chose. Ouais, l'amour est dans le prix, c'est oui, ça? Oui, non, c'est ça. La vie n'est pas autant comme ça. C'est quelque chose que tu aurais le goût de faire, ça, l'amour est dans le prix? Ah. Mettons qu'on met à part que tu es en couple. Mais en fait, c'est quand même pas de se trouver une ferme. Non, c'est ça. Mais la fois, techniquement, je pourrais pas. Mais mettons, si tu tombes célibataire du jour au lendemain, tu ferais-tu ce genre de show-là? Je pense que si tu tombes célibataire du jour au lendemain, c'est ton chum qui va garder la ferme. C'est mon mari qui garde la ferme, tu sais. Tu deviens une candidate. Oui, je vais. J'ai souvent dit, tu sais, que lui a été célibataire, il a participé à ça, puis moi, j'ai rien pris pour lui. Je pense que je pensais même pas ce qu'il était. Parce qu'on s'avait déjà rencontré une première fois avec mon conjoint, puis ça n'avait pas. Ça n'avait pas cliqué. Comme quelques mois plus tard après, ça l'a cliqué. Mais sûrement parce que. Ça en gardait un peu pour les maîtres du week-end, toutes ces bonnes anecdotes crunchy. Après avoir passé un mois dans mon sous-sol, il a dit OK, ça suffit. On va sortir avec toi. Je veux de l'oxygène. La séquestration, c'est quand même la plus belle preuve d'amour qui existe. C'est quoi, c'est le syndrome de. Stockholm. C'est une belle place au Mexique, ça. C'est là que Steven est parti. Moi, j'aurais fait le prochain stand-up. Ah, c'est vrai. Ça a comme rapport. Mais je ne pouvais pas, au moment où ça jouait en ondes, je ne pouvais pas m'inscrire parce que je travaillais au CRTC. Mm-hmm.
Ah, donc, je ne peux pas participer éthiquement, je ne peux pas participer à des concours télévisés. Participer à des quiz. Moi, j'aimerais tellement ça aller genre au suivant, puis à toutes les quiz. Mais moi, je ferais le cercle. C'est le ça n'existe plus depuis. Non, mais écoute, je pense que si le cercle revient, je suis là ou à Tombe Crochu. À Tombe Crochu, c'est magnifique. Ah oui. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que. À la fin, je suis en train de sacrer après Alex Perron. Chum, arrête de mettre des réponses de marde, je veux gagner. Mets une vraie réponse, chum. Ah, on dirait que je ne me souviens pas assez du concept, mais il fallait que tu répondes à la même chose. Il pose une question, après comme un blank, puis après tu dis la réponse que tu penses que tout le monde va répondre. Ah ouais, c'est ça. Ou qu'il y a plus. C'est ça. Après, c'est plus de points, c'est ça que tu as. C'est vraiment très simple comme concept. Mais c'est très drôle. Oui. Ben, moi, j'ai dit à ma blonde que j'aimerais faire l'amour et dans le pré. Mon problème, c'est que je ne suis pas agriculteur puis je suis en couple depuis 25 ans. Ben, c'est un détail. Là, je sais. Est-ce que, OK, pour aller à l'amour dans le pré, je n'ai jamais écouté, est-ce qu'il faut avoir une ferme? Oui. Ben, à moins que tu veuilles marier une fermière ou un fermier. Ben, à moins que tu veuilles être un candidat. Tu peux être la candidate ou le candidat aussi. Fait, il y a comme des hot bachelors qui ont plein d'argent. Après, il y a juste des random personnes qui sont comme « Je veux ton héritage! » C'est quand même le matching show qui marche le plus dans le sens que les couples, bébés, c'est ça, les couples restent pas mal ensemble. Ceux qui restent pas ensemble, tu les vois à l'émission. Genre, ça marche pas pendant l'émission. Ceux qui finissent l'émission, souvent, ils restent ensemble jusqu'à pendant un bout. D'ailleurs, ils ont fait un spin-off qui est comme les familles dans le pré, là, qui présente. J'avais été à l'enregistrement de l'épisode 10 ans l'année passée. À Castleman? Non? C'était pas à Castleman? Non, c'était en Manoir du Lac-Pégan. Ah oui, t'étais là? Franchement, t'étais là. Simon. Non, mais parce qu'à Castleman, Denis Drouin était candidat à l'amour dans le pré. Puis il a reçu, les... Mais pour la famille dans le pré. Ouais, ça se peut que ce soit ça. Ils ont fait un marché. Ça se peut que ce soit ça. Oui. Non, j'avais été voir toutes les coupes. T'étais là pour assister ou parce que c'était un hasard? Je donnais un cadeau. Quoi? Ah. Je donnais un cadeau. Tu donnais un cadeau? Je donnais un cadeau au couple. Deux oui. cochons. Non. Deux cochons. Deux cochons et tu as ça, il faut remarquer mon âme là déjà. Mon autre entreprise. Ah. Parce que oui, tu fais. Ben, on peut parler de. On plug, là. On est sur le podcast. On n'est pas à radio, là. Il y aura pas, on ne chargera pas pour faire ta pub. Parce que tu as une autre entreprise, je fais de la confection et de la personnalisation d'items variés. Je suis content que c'est surtout qu'il l'a expliqué, parce que j'aurais sûrement comme magané ça, puis ça aurait été péjoratif au bout. À faire des t-shirts, des colliers. À faire des t-shirts, puis des patentes. Non, mais je fais de la confection aussi. Je fais un coup de ton t-shirt. Mais là, tu vas nous faire des casquettes. Oui, je vais faire des casquettes. Parce qu'on a passé une commande, Nicolas, qui checkait sur Internet, commandait ça du Mexique. On a un talent. Ça y avait avec des cheveux. Une casquette avec une built-in perruque. Ah, c'est ça. Ça serait sharp, ça. Ah, ça serait sharp. Petit bouton rose, si vous l'avez vu. On pourrait vendre des casquettes Unique FM, mais je pense qu'on va... Je pense pas que nous, on aurait le droit. On pogne une cote. Ça va pas passer. Non. On rappelle pourquoi on fait un podcast ce soir et pourquoi qu'on est ici. On est en direct de CJFO. Je dis ça parce que c'est écrit juste en arrière de moi. Unique FM 94.5, l'endroit où vous pourrez nous entendre les samedis matins de 7h à 10h, sur les ondes du 94.5, mais aussi sur l'application mobile. Puis ça, Nick, super bien, l'application mobile, c'est, j'arrête pas de le dire à tout le monde, téléchargez l'application mobile, c'est l'affaire la plus facile à utiliser qui existe. Tu télécharges, il y a un Python Play en plein milieu de l'écran. Il n'y a même pas plusieurs écrans. Tu rentres de une page, tu as un gros bouton qui dit, avec un Play, tu cliques dessus, tu peux cliquer. Nulle part d'autre, il n'y a pas d'autre fonction. En fait, tu peux swipe left, swipe right, puis il y a l'horaire de la journée. Ah, c'est ma pratique. J'en sais plus que vous autres. J'ai plus gros play, je suis comme, OK, c'est juste ça. C'est le fun. Moi, je voyais ça. Ah ouais, swipe. Non, on peut swiper. Ah ben, quin. L'horaire par jour. Ah ben, quin. Ça, c'est en direct. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Swipez pas à droite. Swipez pas à droite, il n'y a rien. On va travailler fort pour qu'il y ait nos émissions ou des podcasts. C'est juste une photo de Simon. Ah, ça serait pas pire, ça. D'ailleurs, on pourrait la remettre, notre photo, parce que Nick, c'est toi, Nick, qui a fait le montage de notre super belle photo. On va la remettre, tiens.
Regardez ça comment qu'on est beau. Donc, le concept, c'est le fraîchier en plein milieu. Et le petit diable d'un côté, puis l'ange de l'autre côté, comme un peu sur les épaules. Donc, vous allez m'épauler. Nick avec des idées de merde, puis Vicky avec des bonnes idées. C'est ça le concept. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce soir, puis demain, vous allez voir cette photo-là circuler un peu. On va commencer à faire les promos. Puis, ben, si vous n'avez pas encore... Oui, là, on a le droit d'en parler. Vicky est contente. Très contente. Ouais. Elle va pas arrêter de cacher ça à son chum. Ouais. Pourquoi tu rencontres toujours deux gros roux? T'es pas là samedi matin. Et puis pourquoi t'es absente? T'es où, là? Je sais pas. C'est bon. Non, ça va être bon. Je pense que ça va être un show de radio qui va être très, très bonne humeur. Feel good show, là. C'est ça le but, tu sais, le samedi, vous partez peut-être pour des activités avec les enfants, des tournois de soccer, des nommez-les, partez au camping. Ça va être le meilleur show à écouter au camping le samedi matin, café, avec les vieilles cendres là, de la veille là, sur le rond de feu. Là. Pas les vieilles cendres de vos grands-parents. Là. Ouais, c'est devenu morbide vite. Avec vos grands-parents morts à côté de vous. Non, mais avec les cendres du lendemain, du feu, là, du feu de camp. Okay. Écoutez-nous pas au camping, finalement. attendez d'être revenu. Non, mais sérieux, c'est ça. Et on est de retour! C'est une pause commerciale. Renaud Bré. OK, Boboy. Et Boboy de Boboy. OK, non, on est là. J'espère qu'on est de retour. Si jamais on n'est plus là, vous nous le direz. En tout cas, on a Marie. C'est super pertinent de leur dire. Marie qui dit salut les amis. Marie Hilès, notre journaliste et amie de Nick FM. Donc, salut Marie. Et on a « Vous êtes beau, lol ». Puis, je ne sais pas c'est qui a écrit ça, mais c'est juste écrit « Facebook user ». Oh, il t'a bloqué. Non, je pense que c'est sur, en zone neutre, sur la page. Fait qu'il faut que j'aille sur la page pour me voir beau. Je crois. Vous êtes beau. Qui a écrit ça? Facebook user. Facebook user. Laisse un commentaire avec ton nom. Ouais, laisse. Adresse civique, numéro d'assurance sociale, optionnel. Mais au moins les trois premiers chiffres, puis après, on s'amuse avec les quatre derniers. C'est ça, c'est numéro? Faites du temps, là, je suis en train de checker qui a dit ça. Faites parler, dites n'importe quoi, je ne sais donc, pas. Donc, je vais utiliser ma belle voix de radio. Ah, c'est mon oncle qui a dit Charles vous êtes Tissard. Beau, bon, merci. Merci. Merci l'oncle. Mon oncle. Réel. Est-ce que c'est de la fesse gauche ou de la fesse droite, cet oncle? Je ne pense pas qu'on dit ça pour des oncles. C'est pas les cousins? Ah non, ma tante, la fesse gauche, mais oui. Ouais. Mais oui, c'est ça. À quoi c'est de côté de ton père ou ta mère, là? C'est ça tes deux fesses? Là. Ok, ben du coup, ben, ouais, mais mon père, c'est gauche ou droite? Ça, c'est une bonne question. Ah, c'est ça, tu sais. C'est du côté de mon père, c'est le frère à mon père. Ok. Non, mais c'est vrai, on dit de fesse gauche, fesse droite, mais qui dit que c'est. Bon, on dit du fesse droite, la fesse droite. Ben, si on dit gauche. Quand tu parles d'une histoire. Écrivez-nous, on veut savoir. Ouais. Marie, on veut un reportage. Merci d'André, de la fesse gauche. Ouais, mais on ne dirait jamais de la fesse droite. Ah non, c'est pas la fesse gauche. Ouais. On n'a qu'une seule fesse, la gauche. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr. Écrivez-nous. On va vous répondre le 24 juin. Le maître du week-end, c'est aussi décortiquer l'étymologie des mots. Non, mais là, c'est en zone neutre. Ah, le podcast, désolé. Où on présente les maîtres du week-end sur Unique FM 94.5. D'ailleurs, je suis commencé à me pratiquer à dire ça. Devriez-vous autres aussi. Ah, ben, oui. Toi, Nick, tu n'as pas besoin. Tu es ici en zone neutre. Quoi? Unique FM 94.5. Ah, c'est simple. Unique FM 94.5. Oui, mais moi, je disais tout le temps. Au 94.5 Unique FM. Non, il faut faire Unique FM 94.5 ou juste Unique FM. Pourquoi? Parce que le... C'est une directive. Ça. C'est okay. Ça. Non, mais le je logo, pensais qu'il y avait comme ben, il était écrit de même, mais avant, il était écrit de l'autre façon. OK. C'est juste pour ça. Ah, d'accord. Ouais, ouais c'est unique avec un K maintenant. Ouais. C'est une règle radiophonique. Non. Non, parce que la plupart des stations disent le numéro 94... Tu sais, ils disent les chiffres avant. Les... Oui, ils disent juste... Rouge, énergie. Font pas là, on n'est pas en onde à unique, fait que je peux dire, tu sais,
Moi, j'aime beaucoup le 96.9, c'est quoi? Mais pas dans le sens que j'aime mieux ça qu'unique, mais dans le sens que j'aime dire ça. Ah! C'est quoi, c'est quoi? Ils sont cool, les animateurs à C'est quoi? Moi, mon idole de radio, c'est Éric Nolin. Puis je l'écoutais à C'est quoi? Mm-hmm. T'as aucune idée, c'est qui? Toi, t'étais pas né. Puis... Écoute, moi, j'écoute peu de radio. Pour être bien en aide. Peut-être qu'il écoute un peu, Éric, mais bref. S'il est Salut, Monsieur Nolin. Il n'a pas 100 ans, non? Ben, il y a-tu plus que 50? C'est toi qui es jeune, c'est pas lui qui est vieux. Ouais. C'est qui ton idole de radio? J'en ai pas. T'en as pas? J'ai jamais vraiment compris. T'as jamais voulu vraiment faire de radio? T'as... J'ai juste tombé dedans. Pour être bien à l'aide, j'ai juste tombé dedans. Non, j'écoutais pas. J'ai jamais écouté bien de la radio. Il y a du monde du web, du numérique. Toi, t'es un grand fan dans Zone Neutre, le podcast. Oui. C'est ça qu'on me disait. Ouais. 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 Je pense que c'est ton... Je pense que mon frère jumeau. Fait que c'est mon frère jumeau. Son oncle peut en témoigner. C'est un callback du début du podcast. As-tu des idoles en radio ou en podcast? Ben, moi non plus. Mon Dieu, on est... Ben, comme, je sais pas. Même là. Podcast, j'en ai jamais vraiment écouté tant que ça. Bon, les maîtres du week-end, ce sera seulement moi. J'ai écouté Joe Rogan une couple de fois. C'est tout. Joe Rogan, ouais. 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 Mais non, moi, à l'école, au secondaire, c'était une station anglophone là, à Montréal que je m'en rappelle pas, le Hits FM. Ah oh, oui, 14-7. Ouais. Hits FM! Parce que j'étais à l'école anglaise. Ah ouais, j'étais à l'école anglais. J'ai un anglais, parce que je l'achète. Wow. Si on transitionne en anglais, on fait ça en anglais. 99.9 de Buzz à Montréal. C'était très ça, c'était plus moi ça. Ah, non, là, c'est la musique il... plus underground punk rock. Mais... Non, là, ici, I like the country. I like big butts. So I cannot lie. The others won't deny. When a girl walks in, you're rubbing in your face, you're getting strong. Il n'y aura pas de ça dans les maîtres du week-end. Le segment karaoke de 1 heure, de 8 à 9, on se grappe. Oui, c'est du karaoke. Mais on pourrait faire chanter les auditeurs. Oui. Puis on commence chaque émission avec l'hymne national et la prière. Parce que je trouve que parce c'est qu'on est dans l'Ontario francophone, c'est comme ça que ça on marche. On est une école catholique, c'est même, ça marche ici. Ouais, en Ontario, on commence ouais. Chaque journée. Ben, au catho. Oui, oui, c'est partout. En Ontario, c'est partout de même. Tant en français qu'en anglais. Les journées scolaires commencent avec l'hymne national. Faut que tu te lèves. Puis non, là, après... C'est pas ça à citer. Non, mais tu ne fais pas à l'université et au collège. C'est ça. OK, c'est mais ça. Là, je sais pas. Tu sais, à l'université, ils ne donnaient pas de berlingots de lait non plus. Non, mais imagine les Français qui arrivent en étudiant international, puis tout le monde se lève bien droit. Sur le... C'est pas la Marseillaise. Je suis confus. Mais ouais, après, tu fais la prière, puis tu n'as pas le droit de bouger. Puis après, dans le corridor, tu n'as pas le droit, comme on va dire, tu arrives un peu en retard, mais là, tu arrêtes de marcher dans le corridor. Tu attends que. Tu attends, puis là, tu arrives vraiment en retard à ton cours. Tu attends que l'hymne national finisse. Après la prière, ben, la prière. C'est un peu comme ça se passe au Canadian Tire Center. Si t'arrives en retard, t'attends avant d'aller t'asseoir à ton siège. Ouais. C'est juste ben, c'est à cause qu'il y a un gros drapeau qui promène. Fait que ça impère l'avion, mais sinon. Ouais. Wow. Ouais. On en apprend tous les jours. Ouais. Puis, ouais, puis absolument, t'as comme 2-3 sortes au Canada. T'as comme l'acoustique, le fun, le CD. T'as celui régulier. Après, t'as comme un upbeat. Oh. Un peu de techno. Oh, ouais. Après, comme l'animateur, ben l'animateur du matin, pas vraiment là, le gars qui m'a cédé dans le système d'interphone. Le DJ de l'hymne national. Il choisit sa tune pour la journée selon son vibe. Là. Oh, ouais. Ouais. La prière, c'est quoi? Alors, une prière. Non, souvent, c'est comme. C'est pour dire un slam, mais c'est quoi ça, là? C'est quelqu'un qui, comme, freestyle une prière, là, qui l'a écrit à l'avance. Ah, pourquoi? Il peut écrire la prière. Oui, il trouve en ligne. Okay. Ça doit se trouver en ligne, prière.fr ou quelque chose. Ça. Ouais. Très drôle. J'aime ça. Bon, ben, ça fait le tour, hein? On peut-tu parler de ta souris très ergonomique? Simon a de l'aide d'un secrétaire d'école avec ça. Il y a plus l'air comme un miguisoire. Ça a vraiment l'air d'expression. Grâce à ça, j'aurais pas les tunnels carpiens bloqués. Aucune c'est ça en français? J'ai aucune idée de quoi je parle. Il va pas déménager en Acadie pour son arthrite. Il est même tout jamais en Acadie. Mille phalanges.
elles sont si tendres. J'ai déjà assez des gros doigts. Là. Ouais. L'autre jour, justement, mon oncle Réal, oui. Bon, qu'on a élucidé c'était qui. L'autre jour, je mets une photo de moi en train d'éplucher des patates puis écouter la game des Blue Jays, oui, en même temps sur Facebook. Ouais. Il m'a juste répondu, t'as les doigts de ta grand-mère, genre. Ma grand-mère, c'était une femme bien importante, tu sais, puis quand, ouais, elle faisait tout, elle faisait son jardin au complet, puis tout est quitte, elle avait des gros doigts, là, puis ces mêmes doigts-là. Ouais. Je suis content qu'on en ait parlé, ça va. Oh, peux-tu demander une affaire au chat? Ouais. On peut-tu demander au monde de dire « Simon, apporte ton kit bowler. » Juste ça. Ah, oui, oui. Ton quoi? Son kit veut aller bowler. Ah! Mais Simon refuse. Tu veux pas aller faire du bowling? C'est pas ça. C'est parce que si on a le choix entre aller jouer au golf puis aller jouer au bowling, ben, tu sais... Tu vas au bowling. J'ai acheté l'équipement flambant tout de golf pour qu'il y ait plus le goût de jouer au bowling. Au golf qu'au bowling, tu sais. Mais mon fils aime bien le bowling. Puis Nick, c'est un champion de bowling. Fait que... Ben, je crois qu'il est pas champion. Hein. Il n'a jamais joué dans le champion. C'est pire, il aime ça. Petite boule, là, gros. Boule. Oh, petite boule. Ah, petite, hein? Les grosses me donnent mal aux doigts. Ça, c'est ton futur, ça. Tu vas pas te déménager. Ouais, moi, one stop shop. J'ai hâte qu'on fasse le show de radio et que tu sois en remote à Halifax. Hey, salut, que... ici, c'est le temps de la pêche. Je suis en Acadie parce que c'est ça, c'était, ouais, bien humide de ce temps-là. En top. Ça va être bon, ce show de radio-là. Ça, il va y avoir aussi des côtés plus sérieux, par contre. Non, ouais, il quasiment plus, j'arrête pas de descendre. C'est quand on va aller la nécrologie, c'est ça? Non, mais on va avoir un bulletin. On va avoir un bulletin d'actualité pour, oui, vrai dans le show. Donc, on va commencer les heures avec ça. Et je ne sais pas si je suis capable d'uploader le jingle. J'aurais aimé ça faire jouer notre intro. Mm. Mais ben, non, je peux. Sur le micro, ben, on va sonner comme la chenoute, là, mais. Tu l'as-tu? Oui, ils peuvent attendre. Puis on va faire un teaser vidéo avec le Jaguar. Ah, c'est bon ça. J'aime ton côté créatif. Ah. Nicolas. Nicolas qui est en charge de communication aussi. Oh. On va mettre ça. On pourrait se faire une page TikTok. Mais Simon, t'as pas le droit d'avoir TikTok. Je mets Vicky en. J'ai pas le droit. T'as-tu le droit? C'est quoi l'affaire avec les fonctionnaires? Le ouais, mais ben là, ici, je suis pas fonctionnaire. Non, mais sur ta. Mais t'as le droit à son seul perso. Mon seul perso, je vois. Ah. Ouais. Mais je l'ai-tu? Non. Je pense que je l'ai. Je ne vais jamais dessus. Genre, je l'ai téléchargé. Je vais comme, ah, c'est ça, TikTok. Ouais. OK, c'est la même chose que les petites vidéos sur Facebook. Ouais, moi, mais, je suis mais vieux. Mais 6 mois. Oui, 6 mois d'avance. Ouais. T'es juste en retard dans, ouais, les... Ça ne m'a pas dérangé d'attendre 6 mois pour avoir des pour voir une vidéo d'un podcast avec Subway Surfers par-dessus. Mais j'ai... Mon TDAH, est-ce que tu es content qu'il voit ça? Là, je suis comme, oh, yo, dans le train, chum. Mais il y a des vidéos... Je suis accro à des vidéos sur Facebook, là, puis... Tu sais, le monde qui cuisine en tout petit, là. Non. Vous avez pas ça, ben, ça? Ben, j'ai vu des petites maisons de miniatures, là. Mais ben, non, mais ils cuisinent en tout petit. Fait que là, c'est un petit morceau de steak, un petit morceau de salade. Ils ont des petites recettes. Ils ont des choses creusées. Oui, mais des cookers, là, des patentes creusées, mais minuscules. Puis là, ils cuisent ça sur, I guess, une chandelle. C'est comme, c'est tout petit. Ouais. Ouais, non, j'écoute ça. T'es bien perdu dans l'algorithme. Ouais, je sais. Ouais, ça, c'est spécial. L'algorithme a fait comme, hey, on va mettre ça, on va voir si quelqu'un écoute. Ah ben, Chris, il y a quelqu'un qui écoute. Il y a mes petits. Mais les recettes, tu sais, les recettes vite, là, sur Facebook. On en là, a fait une, nous, vite. Tu l'as fait vite ou tu l'as vu vite puis tu l'as fait moins vite? Ben, on l'a pas fait vite, mais on l'a. Tu vois plein de vidéos de bouffe. Puis... Tu fais comme, ouais, ah, ça a l'air fun, ça a l'air bon, puis tu le fais jamais. Genre, parce que ça a l'air juste trop compliqué, des fois. Mm. On en a fait une pour la fête de mon gars, en fin de semaine. Mais tu l'as-tu vu, genre, 10 000 fois passer avant de finalement dire, ah, oh, je vais prendre le temps de la regarder. Non, puis mon chat me l'a envoyé. On, des fois, on s'envoie des choses. Oui, fait que, on se parle pas, nous. Tiens, femme, le souper. On se parle pas, même si on travaille ensemble, on se parle pas. On se fait envoyer des messengers. Mais non, il m'a envoyé le lien pour l'écouter. On fait, ah, on devrait essayer ça. Puis c'est vraiment cher. C'est comme un hamburger, mais dans un pain tortilla. Fait que t'as juste fait, ok, fait qu'elle est comme, ok, fait qu'on a fait un burger, mais on l'a mis dans un wrap. Oui, mais tu le pisses à mal, tu le plies comme en quatre. Ouais, ouais. C'est pas comme un quesadilla. Non, parce que c'est comme une crêpe. Tu sais, les crêpes. Moi, tu fais une pente. Comme un quesadilla.
Non, ben, la Cascadia, c'est un par-dessus l'autre. T'as fait où la fente? Je comprends pas. Ton rond, là, tu fais une fente juste dans le milieu, mais pas au complet. Ah, ouais, ouais. Puis après, là, tu mets tes choses, comme ta mayo, ketchup, ta boulette, ton fromage. Comme un pain fourré. Là, tu tournes de même, puis tu mets ta salade, tomate, puis comme cornichon, mettons. Ouais, dans les trois quarts qui restent de la sandwich. Puis tu fais slap. Là, on a fait ça. Ça fait des stairs. Ça fait comme un triangle. Mais c'est cher! J'ai dit stayer, c'est layer. Layers, ouais. J'avais deux mots en tête. C'est quoi la traduction? Non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais vous montrer une vidéo. Écoutez, à chaque semaine, Vicky va nous imaginer une recette comme elle va faire. Ouais, ben, là, non! Je pas la vidéo. Bien confus. Parce que j'ai zéro talent culinaire. Mais fait que t'as fait un burger weird. Oui, parfait. T'as pas de talent culinaire, toi? J'aurais jamais jugé ça à voir le nombre de fois que tu commandes du Uber Eats quand j'étais à la station. Non, j'ai. Oui, mais je déteste me faire à manger. Mmh. Ouais, tu peux en faire à par cause, nécessité de te nourrir. C'est ça, mais je suis un gars que quand il a faim, il veut manger. Ça ne prend pas d'attendre 20 minutes pour me faire à manger. Fait que t'attends 20 minutes que Uber Eats vient de te livrer. Non, mais la fin, c'est faux, je me time. Quand je commence à avoir faim, si je ne me fais pas à manger comme live, comme moi, juste manger tout dans mon armoire comme grignotine. Ben, écoute, on peut débloquer des frais. Non. On peut débloquer des frais pour la consultation de petit psychologue. Il n'y a pas de danger, ça. On parle d'un sponsor, un GoFundMe. Sauver notre ami Nicolas. De la faim. Mais Nick, de la faim. Nick, t'es de la faim. J'ai une vision mondiale. Tant qu'il reçoit un salaire. Envoyer une fièvre à Nicolas. Tant qu'il reçoit un salaire, il est capable de se commander de la bouffe. Ça va aller. Il faut le garder en onde le plus longtemps possible. Oh, c'est drôle. Ouais, non. Ouais, un autre Facebook user. Là, dites-lui c'est quoi votre nom. Ça marche pas. C'est réel. Encore. Je pense qu'il n'aime pas mon idée de recette. Quelle recette de merde. Ah oui, c'était peut-être le partage de ta recette qui était intéressant. Mais non, mais peut-être que c'était sarcastique. Ce sera pas long, là. Je pense que c'est Sylvain Caron. Hein. Marie-Ève. Non, monsieur Paul. Ah, c'est Sylvain. Ah, ça, c'est déplaisant. Il m'annonce le score. C'est combien? 1-0 okay. Floride. Oui. C'est non, vrai. Mais c'est correct. C'est correct. C'est correct. OK. Mais Nick, tu fais de l'impro aussi, tu arbitres de l'impro, tout ça. Oui, Tu as fait partie d'un duo comique. Oui. Comique de vidéo, de plus visuel que. C'est ça. Avez-vous déjà entendu parler des grandes gueules? C'est moi. C'est moi, ça. C'était moi. Après, on s'est rebrandé comme les Denis Drolet. Ben oui, t'es Just By My Love qui dansait. Moi, je suis Barbie, clairement. Mais non, on faisait partie de Franco Fier, Monette et Burel. On a fait plusieurs vidéos sur la francophonie canadienne, humoristique, si on veut. Mais des podcasts aussi, 50. Des podcasts avec du monde. De l'Ontario français, d'Ottawa Gatineau. J'aime ton Ontario français. C'est mon anglais qui sort. Mm. C'est ça. J'aurais voulu voir les sous-titres de ça. Je ne sais pas qui nous a dit quel beau partage. Là. Je ne le trouve pas. Là. C'est compliqué. Là. On est live à comme 5-6 places. Non, mais le commentaire Facebook user. Ouais, c'était Sylvain Garon qui m'a annoncé le score. Quel beau partage. Non, il y a quelqu'un d'autre qui a dit quel beau partage. Qui a dit quel beau partage? Écrivez-nous. Ah! C'est réel. Bon, c'est mon oncle. Ah oui, 1-0, Floride. Nicolas Manette. Ouais. C'est bon, ça. Il y a encore du monde qui nous écoute. Ben, écoute. Ah oui. En regardant les livres se perdre la c'est la première game. Mais, tu sais, j'aime pas les livres, ça. Je suis un fan des Sens. Puis... un fan des Sens. Ouais. On est diffuseur officiel des sénateurs. Je te le rappelle, Nicolas. Je serais le fun. T'as-tu vu que je me suis souvenu de mes conditions d'embauche? Non. Les sénateurs, c'est la meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey. Non, c'est bon. Pierre diffuseur. Unique FM. De septembre. Ah, ben, Snoop ça, c'est Dog. Une bonne question. Snoop Dogg, puis il hotbox chaque soir. Fait que les joueurs deviennent juste très tolérants au weed, puis les équipes adverses sont juste stone. C'est au lieu de vendre des egg rolls Golden Palace, là, les egg rolls, ça va être d'autres genres de bouts brûlés. Ouais. Après, c'est les gars qui, avec les hot dogs, c'est rendu des chichas. Ils te l'apportent à ta table. Il y a des munchs aussi. Ouais. C'est sûr que si le groupe Remington avec Ryan Reynolds offre comme 1 milliard, ça va être difficile de dire. Non. Mais je sais pas.
Je vous suggère d'écouter dans le vestiaire hein, tous les jours sur NKFM. Du lundi au jeudi, de 17h30. D'ailleurs, je chroniquerai dans le vestiaire à partir de cette semaine. Les jeudis à 18h45, je serai avec Mick Lafleur. Puis toi aussi, Mick. Oui, les mercredis à 18h45. Ouais. 40. Oh, ouais. Chose Mick va parler plus de UFC. Puis de UFC, boxe, combat d'arts martiaux. Puis moi, je vais parler de n'importe quoi. Hein? C'est madame qui boxe. Ça, c'est drôle. C'est-à-dire qu'il a gagné, les petites madames. Il y avait deux madames à Gatineau. Madame Bertrand, puis madame... Le Duc, pourquoi pas. Le Duc. Ouais, ça doit être un nom. 84, puis 79. Ouais, c'est ça. Mais elle avait une bonne droite. C'est ça qu'elle disait. Dans le reportage vidéo. Mais j'ai aucune idée. Puis c'était comme 4 rondes, ou 3 rondes. Fait que c'est fait pour que personne gagne. C'est drôle parce qu'on a parlé... On a parlé avec Sylvain. On a parlé avec Sylvain dans les matins uniques. Puis Sylvain disait... Je me demande comment ça passe, cette idée-là. Tu sais. Puis moi, j'ai dit, c'est clairement les deux qui se sont retrouvés autour du bol de Pepperman, puis il restait juste une. Tu sais. Puis, que, au ça. Maxi, elle m'a fait des yeux. Parfait. Elle était habillée pareil. Elle avait mis sa petite robe fleurie, puis ses bas beiges. En 72. Mais ça se vend encore des Pepperman? Aucune idée. Ça doit être. Tant qu'il y a des mamelles. Écrivez-nous, on veut savoir. Écrivez-nous. Ouais. Est-ce que je sais que ça fait 1h05 qu'on est en onde. Est-ce que notre son est correct? Je n'ai pas pensé de le demander au début. Depuis tantôt, on parle dans le ça fait juste gris. Il n'y a personne qui nous entend. On est des pantomimes. C'est ça, les seuls qui nous écrivent, c'est ceux qui livrent sur les liens. Ma recette. Ah oui? Quel beau partage! Quel beau partage! Ah, c'est bon, par exemple. Ben, on revient au maître du week-end, donc on refait un petit callback de tout ça. Donc, on commence le show, on va être en onde à Unique 94.5, les samedis matins de 7h à 10h, peut-être un peu plus tôt que 7h, parce qu'on peut arriver puis décider qu'on rentre en onde un peu plus vite. Aucune chance que Nicolas soit là avant 7h, mais peut-être faire un petit coucou avant, bref, peut-être des actualités, tout ça, mais bref, 7h à 10h. Sur les ondes d'Unique FM, les maîtres du week-end, Vicky Dufour, Nicolas Monette, moi-même, Simon Lavergne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À partir du 24 juin. À partir du 24 juin, là, Saint-Jean-Baptiste. On va être un peu partout, c'est ça que je veux dire. On va être un petit peu partout au cours de l'été, donc on va se promener, on va vous le dire d'avance. Là, on va vous dire, OK, la semaine prochaine. On devrait se cacher dans la ville. C'est une grosse game de cache-cache, je pense. On va le faire. On va le faire. Trouvez-nous. Mais juste une personne part. Puis moi, je pars me cacher, puis vous ne savez pas plus. Je suis où? Je vais vous appeler. N'oublie pas de me montrer les rudiments de la console avant. Juste au cas où qu'on ne te retrouve jamais. Ils partent, on le retrouve à Halifax parce que c'était humide ce jour-là. Une gosse barre en direct de l'avion. Ah, mon oncle Réal a dit, les gars, le son, oui, au moyen, c'est au milieu. C'est moi. Mais tu parles moins fort en partant, là, fait que c'est pour ben, ça. Ben, j'ose pas parler trop fort. On va booster ton micro dans les maîtres du week-end. Non, les femmes, ils peuvent prendre parole. C'est important. Il faut parler fort. C'est parce que mon chum me dit tout le temps que je parle trop fort. Fait que, tu vois, je me dosais. Il va falloir le séquestrer. C'est le mot de la journée. Le séquestre. Les ceux qui... me disent que je parle trop fort. Qui cloître les femmes et qui les empêchent. Je pense pas. Dans la vraie vie, je parle fort. Ah oui? Oui. C'est un petit marche fort. Oh, ça, c'est bien plaisant. Ouais. Donc, il marche fort. Oui, je suis désolée. Coupe-moi ça au chou. Mets-moi ça sur une chaise. Salut! Le show les samedis va commencer par ça. Tu sais, c'est Vicky qui marche en talons. L'amputation de Vicky. Non. OK, oui. Ben, fait que c'est ça. Fait que c'était le rappel sur l'émission. Fait que... il va y avoir un genre de petit crescendo, là. On va faire, comme tu disais, une petite vidéo pour... Pas vocal. Pas vocal. Pas un crescendo. Pas un crescendo vocal, un crescendo de publicité vers la première émission du 24 juin. Fait que 24 juin, ça paraît loin, mais en même temps, c'est pas si loin. Il va y avoir une coupe d'affaires. C'est ça. Ouais, c'est la main, c'est bon. On est-tu deux? On est le deux. Oui! Ouais. Oh, bonne fête, bon. France! C'est vraiment loin. Belle-Île. Fête à France. Qui? Fête à France. Belle-Île. France Grenier. Ah ben oui, Mme Grenier. Je ne l'écoute même pas. Elle est à Québec. Non, je ne pense pas. Ben, non, l'application mobile, hein, vous pouvez nous attraper partout. Ou le site web. Site web aussi, oui. Ouais.
Ils ont Internet, ça a l'air, à Québec, de ce que j'ai entendu. Ouais. Ce que nous, on n'a pas vraiment. Est-ce que la fibre est arrivée chez vous? Oui, ils ont... C'était pas certain. Oui, ouais. C'est quoi la fibre? Tu parles-tu des Internet? Non, mais faut-tu tourner ça de même, là? Non, ils l'ont branché. Dans le photo, on le voit. Là, mais... J'entends, moi, chez nous, là. C'est pas disponible mais, encore. C'est pas branché à la maison. Non. Moi, je vis en ville. D'accord, va à merveille. Mais t'as pas la télé. Non. Non, mais. Pourquoi t'as besoin d'un Internet rapide? C'est-tu qu'on allume la télé, check à la game des. Non, c'est correct. On pourrait continuer le live, puis c'est toi qui pleures. C'est juste toi qui pleures parce que les livres se perdent. Non, c'est correct. Je suis un fan de sénateur. Mais sérieux? Dans la dernière année, je suis devenu grand fan de sénateur. Avec l'équipe, il est comme. C'est la première fois que je réécoutais du hockey, vraiment. J'écoute que du hockey de playoff. Il y a 82 games qui ne veulent pas écouter grand-chose. J'écoutais juste 5 à 6 games. Ouais, c'est ça. Les Leafs perdaient, puis les Suns n'étaient pas là. Ça a duré 32. C'était dur. Mais là, ça me dit avec le Fernand Vessian. Ouais, c'est choc. Cool. Ouais, c'est bon. Tim's Tootsla. Tootsla. Tim Tootsla. Il y a un ultra, moi. Vraiment, ça, c'est... Ouais, techniquement, c'est pas clair comment ça se prononce. Là. Ouais, Stutzla. Parce que Nick Saint-Pierre dit Stutzla. Ouais. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? Faudrait load day up NHL 22. Les prononciations. Ouais, puis là, juste voir comment ils disent. Mais il pourrait peut-être nous écrire. Tim Stutzla, je sais que t'es fan numéro 1. Veux-tu nous écrire de façon phonétique ton nom dans le chat? S'il vous plaît, ça serait apprécié. OK, là, mon oncle, il nous donne des idées. Non, mais écoutez ça. Okay. Fesse gauche. Oh. Fesse gauche, c'est côté de ta mère. Ah, ça a du sens, ça. Pourquoi? Pourquoi ça fait du sens? Ben, à cause de ta mère est à gauche, là. Ah, oh, c'est côté du cœur. Ouais, exactement. Ah! Non, mais t'as bien repris ça. Merci, mec. Il n'y a aucune idée. Non, moi, j'étais pas l'arrêter, là. Ah, merci pour les précisions. Ça, c'est bon. C'est ça. Donc, présentation. Oui, yeah, ma belle amie. Très fier de toi. C'est encore de tes amis. Joannie, c'est la soeur à Benoît Corbeil? Non. Non? Ouais, Benoît? Ah, à Saint-André? Ça se peut. Je sais qu'elle a un frère, mais je ne sais pas son nom. Joannie, écris-nous. Mais je m'excuse, je retiens pas. Écris-nous, mais en même temps. On va nous lire un lien de ton ancestry.com. On va s'en tracer. Une photo de ton arbre généalogique, ça presse. Mais c'est ça, merci. Merci pour tout le monde qui était à l'écoute. On kick out, là, on s'en va. On va aller écouter le match de hockey. Puis, vous allez nous revoir un peu partout sur les médias sociaux jusqu'au 24 juin. Oui. D'ailleurs, on va peut-être être en direct là, dans des événements d'ici là, fait que, notamment à Clarence Rockland samedi. Oui. Pour la promo un petit peu de la station puis des émissions. Fait que, écoutez-nous, venez nous voir là-bas. Si vous êtes du coin du côté de Rockland, tout ça dans l'Est ontarien, même Castleman, même, puis descendez, venez nous voir à Rockland. Selon Nicolas, c'est à l'Arena. Mais j'ai aucune idée. Mais semble. Ben, j'essaie de penser à Rockland. L'adresse, c'est 8710 chemin du comté 17. Ouais, OK. L'aréna est à 17. Il l'a dit dans la pub. Oh, qui est fier. Oh, qui est fier. OK, elle est bonne. Elle est bonne. Le montage est succulent. Okay, ouais. Mais hey, tu penses Rockland où tu mets bien du monde? Ben, l'aréna, j'imagine, c'est une salle communautaire, c'est ben, la salle communautaire, c'est la cafétéria de l'école secondaire. Okay. Fait que je pense pas que tu mets plus de comme 200 personnes là-dedans. Wow. Fait que c'est toi dans l'aréna. Mais Clarence, il y a comme un édifice en triangle. Là, quand t'arrives à Clarence, non? Mais on est à Rockland. Parce que on est à 17. C'est vrai, chemin de comté 17. C'est juste la 17. C'est la 17. Tu donnes le titre officieux, là. Non, mais moi, je dis les affaires comme elles doivent être dites. C'est comme dire, là, tu route 417. Tu peux juste dire 417. Tout le monde va le comprendre. Mais c'est ça. Fait qu'on se voit à l'aréna. Sinon, les matins uniques avec Simon et Sylvain. Oui, vendredi. T'animes? Tu co-animes? Oui, vendredi, je suis là de 6 à 9. C'est Cinco de Mayo en plus. Oh! Donc, tequila! Je pense qu'on se fait livrer des... Non, on va se faire livrer des tacos. Fais-moi plaisir. Jouer Gasolina de Daddy Yankee. Ah oui, hein? Ça me ferait plaisir. Ça serait bon, ça? Oui. C'est pas le rapport avec... C'est un Mexicain? Oui. OK, t'es sûr? Et t'es sur un greffe de cheveux. Je pense qu'il est soit Mexicain ou Cubain. Ah oui? Me semble. Aucune idée.
Oh oui, il y a du latin dans ça. Ben, il chante en espagnol. Il dit qu'il doit avoir un Taco Bell site. On se fait livrer du. Ah, il y a un Taco Bell site. Ben oui, dans le centre Ottawa. Commercial Saint-Laurent, il y a un Taco Bell. On se fait livrer. Il est collé au KFC. Hey, don't mess with the guy! He knows je le connais. Je le connais, mon malsain. Je pensais que ça avait tout disparu, ça, les Taco Bell. Je pense même que ça le. À Saint-André-d'Avelin. OK, on va mettre ça au clair avant que tu t'en viennes au Festival Western. C'est Saint-André-Avelin. Bon. Il n'y a pas de D. Il n'y a non. pas de D. Non. Puis non, tout le monde fait cette erreur-là. Mais c'est comme Saint-Pascal de Bélon. Mais c'est juste Saint-Pascal de Bélon. Bélon. Ça, ouais. Ça, c'est à hauteur de Papineauville du côté du Québec. C'est parce qu'à Bélon? Ouais. Non, c'est proche de Clarence Creek, Ontario. Oui, c'est ça. Mais au bord de la rivière, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? OK, mais en ligne de même, oui. C'est pas clair. Tu prendras un ferry. Puis... Ouais. Non, mais c'est parce que nous, on s'adresse aux deux côtés de la rivière. Oui. Ça va être ça dans le show aussi. On est une radio franco-ontarienne, c'est sûr, tu sais, franco, puis on est à Ottawa, mais on est la radio dans la capitale nationale. Puis la capitale nationale, on l'a agrandi pas pire. Ouais, ça va jusqu'à Herne Prior. Ça va jusqu'à Herne Prior. Il y a pas Wendy's à Herne Prior. Il y a Wendy's? Il y avait un TLC, ça a rebrandé, je sais plus c'est rendu quoi, mais TLC, c'est quoi, là, c'est dernière, là. C'est des bonnes seringues à cheval. Moi, j'ai aucune idée de quoi qui parle. TLC, c'est comme si le Home Depot serait pour les fermiers. OK, comme le magasin du cultivateur. Mais gros et commercial. OK. Fait qu'il y a des grosses seringues à cheval. Ouais. J'ai hâte que tu viennes des événements du côté du Québec, Nicolas. Puis j'ai hâte de découvrir, moi, ceux en Ontario aussi. Ouais. Que ça va être le fun. J'ai jamais été dans votre coin. Non. J'ai jamais super été. C'est beau. Le plus loin, je suis allé, c'est La Pêche. C'est pas partout dans mes non, mais écoute. Ben, j'ai aussi été à 50 souvent quand je vais à Québec. Mais comme je sortais pas de la 50. J'aime ça. Je suis allé dans votre coin une fois, j'ai passé sa 50. Okay. J'ai pas. J'ai vu la pancarte pour le parc Omega. Je sais même pas où le parc Omega. Ça, je sais que c'est comme Hawkesbury. Ben, plus ou moins. C'est quand même à 20 minutes d'Oxford. Mais... Ça, tu passes à Grenville. OK, on va faire ton éducation. Là. Ouais, c'est Grenville, ça. D'à côté d'Oxford. On va mettre une map du Québec. Là. Moi, l'apprendre ma géographie. Là. Michel Picard, il dit toujours c'est géographique, la séparation entre le Québec et l'Ontario, c'est politique. Mais en réalité, il y a juste une rivière entre les deux. T'sais. Oui, oh. Puis une fronte. Ben, il y a aussi du côté d'Oxford. Il y a un pont. Non, mais après, ça devient juste le Québec, là. En plein milieu du pont, hein, ça devient... Non, non, même pas sur le pont, là. Moi, j'ai vécu à Alexandria, dans l'Est ontarien. Puis, à un moment donné, tu drives dans Shred Back Road, puis là, t'es au Québec. T'as un petit village, après, tu retournes en Ontario. Ah ouais, du côté, l'autre bord de la rivière? Ben oui! Entre le fleuve par rivière, l'Ontario continue. Le Québec n'est pas une île, Simon. Je l'apprendrai. Fait que c'est ça. J'essayais de voir si techniquement c'est une presqu'île. Parce que quand tu pars de la baie du Tom, c'est une presqu'île. La baie, tu sais, ça fait un Christy tôt pareil. Là. C'est pas loin d'être une île. T'sais. Mais Val-d'Or, il n'y a pas de. Je regarde des Outaouais, ouais, ça arrête à Témiscamingue. Mais ça commence à Témiscamingue. Après ça, que ce soit allé comme Tomogamy dans ce coin. Écoute. OK, on va finir le podcast là-dessus. On va faire nos devoirs pour être prêts le 24 juin pour en zone neutre. Les maîtres du week-end. Fait que là, Vicky, tu as le droit de prendre l'affiche puis de la partager. Là, là tu as le droit de le faire parce qu'on a fait l'annonce officielle. Puis, ben, c'est ça, on va être en ondes, on se retrouve le 24 juin, mais d'ici là, ben, c'est sûr que moi puis Nick, on va être sur les ondes. On va appeler Vicky de temps en temps, je pense, là, juste pour qu'elle la mettre en onde ou juste lui dire, hey, nous, on est en onde, Vicky. Nous, on est en station. Comment que ça va, les cochons? Tu peux juste enregistrer mon rire aussi, une fois de temps en temps. C'est bon, ça. Oui, on va te faire enregistrer plein de sons. Oui, oui. Juste, même si t'es pas là un moment donné, tout le monde va penser que t'es là pareil. Ben oui. Enregistrer. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ah, les cochons. Tu le plies en quatre, là. C'est oh, fin rond. C'est ça qu'on va faire. On va te faire recorder des recettes. Ah oui. C'est bon, ça. Ça pas on va vous on va avoir une question du jour aussi. Hein, là, du, on du va dire SMR que... aussi. Là. Du SMR. Ça, c'est pas bon, moi, non. Ouais. C'est ça. Fait que... Non, en plus, avec les petites momos, là. Ouais. Oui, mais ça peut être un SMR de recettes.
C'est désagréable. OK, bon, finissons là-dessus. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans les maîtres du week-end aussi, on va avoir une question du jour. On va vous demander de participer, tout ça. Donc, que vous soyez n'importe où, que vous écoutez sur l'application, tout ça. On a moyen de nous rejoindre par Messenger, message texte, téléphone, tout ça. Donc, ça va être bien interactif pour avoir bien du bon exemple. Fait que, sur ça, merci Vicky Dufour, co-animatrice, et Nicolas Monette. Les maîtres du week-end, 24 juin, sur Unique FM. Un co-animateur. 94. J'ai pas dit rien pour toi. Juste Nicolas Monette, maître du week-end. T'es comme l'adjoint maître du week-end. Ah, OK, bonne prendre. Mon Dieu! Excusez. Je suis rendu un adjoint. Ben, c'est parce que c'est toi qui contrôle la console. Qui fait toutes les identifications audio. Tu sais, moi, je suis juste là pour ma belle gueule, quoi. Ouais. Tu sais, c'est ça qui arrive. All right. Ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis écoutez-nous à partir du 24 juin sur Unique FM 94.5.